39. Maintenant aussi. Et double côte. Et puis, normalement, c'est bon. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, un autre quoi? Madame Le Pen n'est pas majuscule, je pense. Ah oui. L'inter, c'est normal. C'est minuscule. Donc là, alors on va analyser les fonctions. On s'est débarrassé de toutes les erreurs. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va analyser les fonctions une par une. D'accord? Alors, pour la première fonction f1, elle prend un paramètre d'entrée, un entier x. Et là, il s'agit d'un passage par valeur. Ça veut dire qu'elle va prendre une copie de x, elle la divise sur 2. Ensuite, elle affiche la valeur de x dans f1, x. F2, par contre, f2, elle prend l'adresse de x. Donc là, c'est un passage par adresse. On l'appelle un passage par adresse. Ça veut dire qu'elle va prendre un pointeur qui va pointer vers un entier x, d'accord? Et puis elle accède à la zone mémoire où se trouve x et le divise sur 2. Printf, la valeur de x dans f2 est étoile x. Et f3, elle prend un paramètre d'entrée, un pointeur vers un entier. Et là, il s'agit d'un tableau d'entier. D'accord? Donc elle remplit le tableau avec t de i égale t de i plus 3. Ça veut dire que t de i existe déjà, elle est déjà remplie dans main. D'accord? Plutôt, le tableau est déjà rempli dans main. Et puis, on modifie chaque valeur du tableau en ajoutant le nombre 3. Et là, pour la fonction f4, elle prend deux paramètres d'entrée. Le premier est un passage par adresse, le x. Et le deuxième, c'est un passage par valeur, le y. Donc pour x, elle multiplie la valeur de x par 10 et y, elle affecte à y x moins 50. Et puis elle affiche la valeur de y dans la fonction. Ensuite, dans main, alors dans main, on déclare un entier i, on initialise la valeur de x à 50, on déclare un tableau de 5 éléments, initialisé à 5, 0, moins 11, 27, moins 2. Et on déclare un y qu'on initialise à moins 200. Ensuite, on fait appel à la première fonction. Donc, en faisant appel à la première fonction, on a dit que la première fonction, elle divise le x sur 2. Pardon. Et là, le x c'est un entier et le 2 c'est un entier. Donc, on aura un résultat de division entière. D'accord? Donc, en principe, on va avoir 25. 50 sur 2, c'est 25. D'accord? Dans la fonction. Mais à la sortie de la fonction, quand on affiche la valeur de x, normalement, on trouve que x reste 50. D'accord? Pourquoi? Parce que f1, après une copie de x, elle la modifie localement. Dès que je sors de la fonction, je perds ce qui a été fait par la fonction. Ensuite, pour f2, f2, elle prend en paramètre d'entrée l'adresse de x. Donc, dans ce cas, le changement qui sera fait par f2, il sera maintenu dans le reste du programme. D'accord? Donc là, elle accède à la zone mémoire où se trouve x et elle modifie sa valeur. On verra quelle est la modification faite. Toujours, elle fait la division sur 2. Et dans ce cas, on aura 25 pour x, même si on le réaffiche dans main. D'accord? Donc là, alors ici, on va trouver x égale toujours 50. Et là, on va trouver x égale 50 sur 2, c'est 25. Ensuite, f3 de t. Et là, on fait appel à la fonction 3 en faisant passer notre tableau. D'accord? Donc là, après modification, les modifications faites par f3, quand on réaffiche le tableau, on trouvera que le tableau, chaque élément du tableau a été changé par l'ajout du numéro 3, du chiffre 3. D'accord? Ensuite, f4 est commercial x, y. Ça veut dire, f4 prend un paramètre d'entrée, l'adresse de x et une copie de y. Et là, la valeur de x, qu'est-ce qu'elle fait f4? Donc, elle multiplie x par 10. Donc là, on aura 25 fois 10, on aura
X égale 250 en principe. Et Y il a été initialisé à moins 200. Mais comme le Y est passé par valeur dans la fonction F4, alors le changement sera local uniquement, sera local à la fonction F4. Dès que je sors, je perds les changements qui ont été faits sur Y. Et donc, si je réaffiche la valeur de Y dans main, je trouve l'ancienne valeur affectée qui est moins 200. D'accord? Maintenant, je recompile et j'exécute et on verra les valeurs obtenues. Alors, on va les comparer avec les commentaires. Alors, la valeur de x dans F1 est 25. Effectivement, elle a divisé, elle a pris la valeur de x qui est 50, elle a divisé sur 22 et le résultat, c'est 25. Ensuite, la valeur de x à la sortie de F1 c'est toujours 50. D'accord? Donc, c'est l'ancienne valeur affectée ou bien initialisée dans main. Et puis, dans la fonction F2, la valeur de x est 25. Et à la sortie de F2, la valeur de x reste 25. Pourquoi? Parce que on a fait un passage par adresse de x dans F2. Ensuite, pour la fonction F3, la fonction F3 prend en paramètre d'entrée le nom du tableau. Et le nom du tableau, c'est déjà une adresse. Et donc, le changement qui sera fait par F3 sera fait dans tout le programme. Donc, je rajoute à chaque élément 3. Donc, F3 ajoute à chaque élément 3. Alors, 5 plus 3, 8. Ensuite, T2, 1, 0 plus 3, ça veut dire 3. T2, 2, moins 11 plus 3, c'est moins 8. T3, 27 plus 3, ça donne 30. Et T2, 4, c'est moins 2 plus 3, ça donne plus 1. Ensuite, pour Y, alors la valeur de Y à la sortie, plutôt la valeur de X à la sortie, c'est 250. Pourquoi? Parce que le X est prêt, on a fait un passage par adresse sur X au niveau de la fonction F4. Et donc, le changement sera maintenu dans tout le programme. Donc, la nouvelle valeur de X, c'est 25 fois 10. Et on aura 250. Et à la sortie de la fonction F4, la valeur de Y redevient la valeur initialisée dans la fonction main qui est moins 200. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est juste le passage, la différence entre passage par adresse et passage par valeur dans les fonctions. Donc, passage par valeur, le changement est local à la fonction. Passage par adresse, le changement se fait et sera maintenu dans tout le programme jusqu'à ce qu'on fait un autre changement. J'avance. Alors, si quelqu'un veut bien nous partager son écran pour voir, est-ce que vous avez des messages? Donc, si quelqu'un peut nous partager son écran pour voir, pour faire l'exercice 7, pour voir comment vous allez penser à le faire. Donc, pour l'exercice 7, on a deux chaînes de caractères, S1 et S2. Écrire une fonction extrait qui est extrait à partir d'un indice i de S1, les n caractères de S1 dans S2. Donc, on a deux chaînes de caractères. Une qui contient des caractères. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'extraire n caractères à partir d'un indice i de S1 et les mettre dans S2. Donc, là, comment peut-on le faire? Allez, je voudrais que quelqu'un nous partage son écran. Quelqu'un nous partage son écran? Il n'y a personne. Je voudrais vous voir travailler. Allô, allô, vous êtes là? Allez, je vais choisir par hasard un nom.
Alors, je vais choisir un nom au hasard. Alors, Touzaline Adel. Ah, je vois des gens qui sont en train de se déconnecter. Pourquoi? Vous avez un problème de connexion. Est-ce que vous avez un nouveau projet? Et pour voir comment tu vas le faire, d'accord? Alors, série. Après, je vous donnerai ma version, d'accord? Série 2, exo 7. Parce que le problème des séances en ligne, c'est que c'est l'enseignant qui travaille, d'accord? Donc, les étudiants reçoivent uniquement la solution. À chaque fois, ils reçoivent la solution. J'aimerais bien vous voir comment vous pensez, d'accord? Allez, vas-y. Vas-y, Haddad. Alors, j'arrête le partage. Voilà. Très bien. Tu peux parler, Haddad. Tu peux nous expliquer comment tu vas le faire. Là, tu travailles avec le C++, hein? Le projet est assez. Je vois que tu as rajouté styling.h, donc tu comptes utiliser les fonctions de la bibliothèque styling.h. Oui, madame. Madame, c'est quoi les fonctions de la bibliothèque? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc là. Non, madame, se mettre autrement. Anna, pas comme se mettre là. J'ai cru que c'est une nouvelle bibliothèque. Non. Ah, d'accord. Styling.h, donc elle contient des fonctions pour la gestion des chaînes de caractères. Qui met strlen, strcopy, strcomp, strcat, strchr, strstr, qui permet de rechercher une sous-chaîne. Alors, donc là, on nous a demandé d'écrire une fonction, d'accord? Donc, avant main, tu nous écris la fonction qui permet d'extraire une chaîne de caractères à partir d'un indice i, d'accord? Donc là, extrait, elle va retourner un caractère. Elle doit retourner un tableau de caractères, n'est-ce pas? Et donc, il faut rajouter quoi? Il faut rajouter étoile, d'accord? Pour dire qu'il s'agit d'un pointeur vers un caractère. Et un pointeur vers un caractère veut dire un tableau de caractères, d'accord? Donc, char étoile extrait, d'accord? Char étoile.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme paramètre d'entrée à la fonction extrait? On a l'indice i. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi? La chaîne de caractères initiale. Et là, est-ce qu'on connaît la taille? Donc là, moi, je Non, un préfère flow. utiliser les pointeurs, d'accord? Je préfère utiliser les pointeurs. OK. Parce qu'on ne connaît pas la taille. Donc, je préfère utiliser les pointeurs. Alors, char étoile S1 ou S. Char étoile. Chez étoile char. D'accord? Et puis, aussi, on a besoin du nombre de caractères à copier. On a besoin du nombre de caractères à copier. D'accord? Ensuite, alors. Tu nous fais juste la première partie, juste la fonction. Juste la fonction. Après, le reste, je m'en occupe, d'accord? Donc là, puisque la fonction va retourner une chaîne de caractères, dans ce cas, on doit déclarer une chaîne de caractères. Là, pourquoi tu précises la taille? Je ne connais pas la taille. Je sais que la taille de S2 ne va pas dépasser N plus 1. Vous êtes d'accord? Parce que je vais extraire n caractères à partir d'un indice i. Donc, le maximum, la taille maximale de ma nouvelle chaîne, c'est la taille de S1. D'accord? Plus 1. Il se pourrait que les n caractères, c'est le nombre de caractères de S1. Aussi, l'indice, il peut être 0. D'accord? Donc, la taille maximale de S2, c'est bien la taille de S1 plus 1 pour prendre en considération le caractère de fin de chaîne. Donc là, la première des choses à faire, c'est quoi la première des choses à faire? Initialiser la Lire deuxième chaîne à vue. Comment? On doit initialiser la deuxième chaîne à vide. Ça veut dire on alloue un espace pour la chaîne. On n'initialise pas, donc on alloue un espace pour la chaîne. Donc la taille maximale de la chaîne peut être la taille de S1 plus 1. Plus 1 pour prendre en considération le caractère de fin de chaîne. Donc S2 égale, donc on va, c'est un pointeur vers caractère. Donc on doit utiliser la fonction malloc pour l'initialiser. D'accord? Donc malloc. Et là, avant size of char, size of char c'est 1, ça donne 1. Et quel est le nombre de cases qu'on va allouer? Et chaque case, elle est de size of char. N plus 1. Pourquoi N plus i? Un plus et oui, madame. Pourquoi N plus i? Parce que c'est la taille de S2. La taille de S2, est-ce qu'on peut la voir autrement? Mathématiquement, je peux vous dire c'est correct, d'accord? Mais j'ai une fonction qui me permet d'avoir le nombre de caractères de S1 exact. C'est la fonction strlen. D'accord? Oui. Donc là, je préfère utiliser strlen S1 et je rajoute 1 pour la case. Pour le caractère de fin de chaîne. Donc, strlen, str, strlen, voilà. Et puis, entre parenthèses, S1. Ensuite, je rajoute 1. Alors, size of char, c'est 1, on sait. Dans ce cas, pas la peine de rajouter. D'accord? Pas la peine de rajouter fois size of char puisque c'est 1.
D'accord? Ensuite, là, qu'est-ce que tu comptes utiliser, Haddad? Les tableaux ou bien les fonctions de styling.h? Les fonctions de string.h. Quelle est la fonction adaptée à cette copie? C'est la fonction strn copy. D'accord. C'est la fonction strn copy qui permet de copier n caractères de S1 vers S2. STR, mais c'est strln. STRN CPY. STRN. RN. N. N ماشي L. N. STRN copy. Voilà. La première chaîne. Donc, dans quelle chaîne je veux copier? Je veux copier dans S2. Non, c'est l'inverse. S2. Ensuite, là, pour S1, je copie à partir de quel indice? Allez, ZDN. ZDN. Donc, si je laisse comme ça la fonction, ça veut dire qu'elle va me copier n caractères de S1, elle va les mettre dans S2 sans prendre en considération un indice i. Maintenant, comment accéder aux caractères qui se trouvent à l'indice i de S1? Comment? Dites-moi comment. S1 plus i. Exactement. Pourquoi? Parce que S1 va pointer vers le premier caractère de la chaîne. Donc, si je rajoute un i, ça veut dire que je déplace mon pointeur pour qu'il pointe vers le caractère, le ième caractère de la chaîne, tout simplement. D'accord? Et là, est-ce que c'est fini? La dernière fois en présentiel, je vous ai dit que strn copy ne coupez pas automatiquement le caractère de fin de chaîne. Donc, pour que votre chaîne soit une chaîne correcte, il faut que la chaîne se termine par le caractère de fin de chaîne. Donc là, il faut qu'on le rajoute nous-mêmes, d'accord? STRN copy ne le rajoute pas automatiquement, donc c'est à nous de le rajouter. Donc, comment le rajouter? C'est en accédant au dernier, à la dernière case. Donc là, on est sûr que j'ai copié n caractères. Mais comment je les ai copiés? J'ai copié n caractères, donc l'indice du premier caractère commence par 0. Avec les tableaux, on commence toujours par 0. Et donc le premier caractère se trouve à la case 0 et le dernier caractère à la case n-20. Donc si je veux rajouter le caractère de fin de chaîne, je le rajoute dans la case, quelle case? N. D'accord? Donc S2 de N, S2 de N, S2 de N égale le caractère de fin de chaîne. Simple cote anti-slash 0. C'est le caractère de fin de chaîne. Anti-slash. Voilà, 0. Il faut rajouter, non, 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 l'inverse. Anti-slash 0. C'était les simples codes, parce qu'il s'agit d'un caractère. Simple code, le simple guillemet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je retourne. S2. Exactement. Voilà. Là, je pense que tu as fait double cote. Hein? Je ne vois pas bien si c'est des doubles cotes ou là des simples cotes. C'est un caractère, donc c'est des simples cotes, d'accord? L'apostrophe. S2 de N égale. Voilà. Donc, apostrophe. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Haddad.
Donc, maintenant, je vais vous donner une autre façon de faire. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Je repartage. Donc là, je vais reprendre ce que Haddad vient de nous faire. D'accord? Là, je vais écrire la fonction extrait telle qu'elle l'a écrite, char, étoile. Alors, extrait. Elle prend en paramètre d'entrée la chaîne de caractères S, S1 ou S2, S tout simplement. Et puis, l'indice I et le nombre de caractères Alors, appropriés. Oui. main qui n'a pas eu l'int, pas de fonctionner. Eh bien sûr. Bon. Il a l'int dès return 0 à la fin. Parce qu'une fonction qui retourne un entier doit retourner quelque chose. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'elle est void. Donc D'accord. là, puisque la fonction va retourner une chaîne de caractères, donc je déclare la chaîne de caractères à retourner, S2. D'accord? Et là, je la déclare comme étant un pointeur. Donc il faut que la chaîne. Il faut que mon pointeur soit initialisé. Alors là, je rajoute le cast optionnel, malloc, et à l'intérieur, j'ai la taille maximale de ma nouvelle chaîne coupée, c'est la taille de S1, auquel je rajoute 1, fois size of char, qui est toujours 1. D'accord? Ensuite, là, directement, je peux faire appel à la fonction strncopy, qui va me copier dans S2, S1, à partir de la position S1 plus I, et N caractères. D'accord? Et comme, alors, strncopy ne rajoute pas le caractère de fin de chaîne. Donc, il faut qu'on le rajoute nous-mêmes. Donc, S2, alors, de N. Je sais que le dernier caractère se trouve dans la case N-1, puisque j'ai copié N caractères à partir de 0. Et donc, j'ai suffisamment de cases pour rajouter le caractère de fin de chaîne, parce que la taille maximale, c'est la taille, même si l'indice I égale à 0, et N, c'est la taille de S1, j'ai rajouté une case pour prendre en considération le caractère de fin de chaîne, donc égal anti-slash 0. Et comme ça, notre chaîne est bien correcte. Vous pouvez rajouter une instruction d'affichage pour afficher la chaîne, sinon directement return S2. D'accord? Donc là, je dois rajouter, alors, disinclude. Madame, Oui? on va faire 1 plus 1 ou voilà, 1. 1. Pour Là, la fin, oui, pour la fin de caractère. non, S2 de N. Pourquoi? Parce que j'ai copié N caractères. Les N caractères, c'est à partir de l'indice 0. Donc, le dernier caractère se trouve dans la case N-1. D'accord? Donc, le caractère de fin de chaîne, je le rajoute dans la case qui suit N-1, c'est la case N. D'accord? Donc, je D'accord. rajoute la ligne chaining.h. Donc ça, c'est une première Madame, solution. Oui. pour malloc strln S1 plus N plus 1, on pouvait mettre N plus 1. N plus 1. Oui, parce que on va copier N caractères. Donc la taille de S2 sera N plus 1. Oui, on peut. Je vous ai dit D'accord. mathématiquement, je peux. C'est N plus I plus 1. D'accord? Maximum, c'est N plus I plus 1. Pourquoi plus i? Parce que imaginez que le i est égal à 0. Donc j'aurai n plus 1. D'accord? Oui. Imaginez que le i, en fait, ce n'est pas plus i, c'est moins i. D'accord? Donc n i plus 1. Si le i est égal à 0, j'aurai n plus 1. Si le i est égal à 2, donc j'aurai n moins 2 plus 1. Mais on doit copier n caractères. Si on a 6 caractères à copier, si on met moins i, donc ça va devenir 4 caractères. Attends, 6 caractères, caractères à partir de la position I. Ah Donc c'est n plus 1. oui. N
plus 1, oui, maximum c'est n plus 1, ou bien la taille de S1, imaginez que n c'est la taille de S, c'est toute la chaîne, d'accord? Si I égale à n, c'est toute la chaîne, donc le maximum c'est la taille de S1, d'accord? D'accord, merci. Donc on peut mettre n plus 1, maximum n plus 1. Oui, merci. De rien. Alors, maintenant je vais vous proposer une autre solution en utilisant les tableaux. D'accord, je vais appeler la fonction extrait char étoile extrait 2 ou bien 1. D'accord. Donc, c'est les mêmes paramètres qu'on fait. Char étoile S1, int I et int N. D'accord. Donc, toujours, ma fonction retourne une nouvelle chaîne de caractères. Donc, je la déclare. Et là aussi, donc la même chose. C'est la même instruction pour celle-là. Ou bien la n plus 1. D'accord. Ensuite, alors, je déclare un entier j pour parcourir mon tableau. Alors, donc là, for j, allons. Allant de combien? Regardez bien, j'ai l'indice de i. Voilà, très bien. Donc, pour j allant de i. Ensuite, quelle est la condition d'arrêt? J inférieur à I plus 1. Ah, I plus 1. Très bien. Donc, n plus i, c'est le maximum. Ensuite, j'ai plus plus. Et là, qu'est-ce que je copie dans S2? Alors, S2, de quoi? De J. De J. Oh, imaginez que le I commence à partir de l'indice 2. On ajoute une autre variable, madame. Soit on ajoute une autre variable, soit on rajoute une expression à l'intérieur. Tout simplement, c'est J moins I. Et là, J moins I, je suis sûre que je commence à partir de l'indice 0. D'accord. Donc, S2 de J moins I reçoit S1. S1 de quoi? Pardon, j'ai décroché. De J. De J, très bien. D'accord. Ensuite, à la fin, une fois que je sors de la boucle, ça veut dire que j'ai copié tous les caractères à partir de I. D'accord. Je les ai copiés dans S2. Et à la fin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter aussi manuellement le caractère de fin de chaîne. D'accord? Et la position du caractère de fin de chaîne se trouve dans quel indice? Est-ce que de 1 plus i? 1 plus i. Non, 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 toujours j moins i. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ah oui, j'ai oui, monsieur. Non. J'ai là où il me chie. Donc, il a le maximum n plus i. Donc là, soit je mets S de 2 n plus i, ou bien S de j moins i reçoit un t slash 0. D'accord. À la fin, je mets return S2. D'accord. Donc, vous avez deux solutions. Moi, je préfère la première solution. Elle est très simple à réaliser, d'accord? En utilisant les fonctions de la bibliothèque stringh, d'accord? Ou bien, en considérant, en utilisant les tableaux, et là, il faut juste faire attention pour ne pas faire une erreur d'indice, tout simplement. D'accord? Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de l'exercice. Alors, pour la deuxième partie de l'exercice, soit M chaîne de caractères S lu une par une au clavier et deux entiers I et N données. En utilisant la fonction précédente, écrire un programme qui affiche la chaîne S extraite de chaque chaîne S. Donc là, je vais utiliser une matrice, d'accord, pour sauvegarder toutes les chaînes et à la fin, je réaffiche la matrice en faisant appel à la fonction extrait pour voir ce qu'elle va extraire de chaque chaîne. D'accord, donc je descends vers la fonction main. Et donc là, oui. Vous pouvez désactiver s'il vous plaît le micro d'Abdelhabib parce qu'il a oublié allumé ou on entend un écho.
Bon, il a coupé en fait. Non, c'est bon, il l'a coupé normalement. Donc là, alors, je déclare une chaîne de caractères, étoile S, d'accord? Je déclare un entier M et l'indice I, d'accord? M, c'est la taille, c'est M mots, d'accord? C'est le nombre de lignes de ma matrice, c'est les M mots, d'accord? Je déclare aussi CH ou bien mou de maximum 100. Là, je fais une déclaration constante, pointeur constant. Pourquoi? C'est pour lire à chaque fois le mot et le copier dans la matrice. D'accord? Ensuite, je déclare ma matrice avec double étoile, double pointeur. Ensuite, je demande là à l'utilisateur de me donner put, donner ou bien saisir, donner le nombre de mots. D'accord, qui est M. Donnez le nombre de mots. Ensuite, je vais lire scanf. Scanf pour son D, virgule, et commercial petit M. Ça veut dire le nombre. Alors, le nombre de mots est égal au nombre de lignes de la matrice. Ensuite, là, une fois que j'ai eu le nombre de lignes, donc je vais allouer un espace pour les lignes de ma matrice. Donc, M égale toujours le cast optionnel, char double étoile, malloc. Et là, à l'intérieur, j'ai combien de lignes? M fois size of char étoile. D'accord? Parce qu'il s'agit de réserver M ligne, M pointeur vers, on va voir vers combien de colonnes, d'accord? Pour les colonnes, ce n'est pas fixe. Comment peut-on obtenir la taille de chaque mot? C'est lorsque je lis le mot, je le sauvegarde dans CH et je peux appliquer après strlen, la fonction strlen pour récupérer la taille de CH et comme ça, je peux allouer le nombre de le nombre de colonnes exactes pour chaque ligne. D'accord? Donc, une fois que j'ai alloué un espace pour les lignes, donc je passe aux colonnes. Donc, pour les colonnes, je réserve l'espace et en même temps, je remplis ma matrice. D'accord? Donc, for i, allant de 0, i inférieur à m, et plus plus. Donc là, je rajoute les accolades, puisque je vais rajouter plusieurs instructions. Donc, put, alors je vais demander à l'utilisateur de saisir un mot, comme on a fait la dernière fois. D'accord? Ensuite, là, j'ai lu déjà un entier. D'accord? Donc, si je lis un entier ou un nombre quelconque, après, je voudrais lire une chaîne de caractères ou un caractère, il faudra vider la mémoire tampon en utilisant la fonction fflouche, d'accord, qu'on a déjà vu. Ensuite, là, je vais utiliser getch, pardon, point virgule. Une fois que je lis, une fois que le mot est lu, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Après la lecture du mot, là, je peux allouer un espace pour la ligne I. D'accord? Donc, M de I, puisque je connais le nombre de caractères de la ligne. D'accord? Le nombre de colonnes de la ligne. Donc, M de I égale char étoile malloc. Quelle est la taille de la ligne? Le nombre de colonnes de la ligne? C'est H. Voilà, strln, c'est H. Et il faut toujours rajouter plus 1 pour le caractère de fin de chaîne. D'accord? Toujours, on rajoute toujours 1 parce que la fonction strln ne compte pas le caractère de fin de chaîne. Elle compte uniquement les caractères
de la chaîne sans compter le caractère de fin de chaîne. Ensuite, là, pour copier le mot CH dans M2I, qu'est-ce que je fais? Je fais appel aussi à la fonction strcopy. Vous allez me dire pourquoi, madame, on ne fait pas M2I égale CH. Je vais vous dire pourquoi. Donc, M2I, alors M2I, M2I, virgule. Pourquoi on ne fait pas appel à la fonction? Pardon? Pourquoi on ne fait pas appel à la fonction? Quelle fonction? Là, je suis en train de remplir la matrice. Je n'ai pas encore fait appel, d'accord? Je dois d'abord avoir les mots, avoir chaque mot, les M mots. Ensuite, je fais appel à la fonction pour chaque mot. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on sauvegarde dans une matrice, là, on peut lire le mot, on fait appel à la fonction jusqu'à M, d'accord? Et là, on n'a pas besoin d'une matrice. D'accord, ça veut dire à chaque fois qu'on lit le mot, on fait appel à la fonction et on affiche le mot extrait. Oui, c'est bon, madame, merci. D'accord. Donc là, j'ai fait exprès de sauvegarder dans une matrice. Je remplis toute la matrice. Après, je fais appel et ensuite, je réaffiche la matrice pour voir les mots extraits. Donc là, pourquoi j'utilise strcopy au lieu de M2I égale CH? Parce que M2I, c'est un pointeur, et CH, je l'ai défini comme étant un pointeur constant. D'accord? Donc, je ne l'ai pas défini comme char étoile CH. Si je l'avais défini comme char étoile CH, j'aurais pu mettre M2I égale CH. Et je n'aurai pas de problème. Mais comme ça, si je mets M2I égale CH, il va me dire qu'il y a une erreur. Les deux types ne sont pas compatibles. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser strcopy. D'accord? Ensuite, là, une fois que j'ai tous les mots lus, je les ai sauvegardés dans la matrice. Maintenant, je vais faire appel à la fonction extrait. Donc, for i allant de 0. Alors, i inférieur à m, j'ai m mot. Donc, e++. Alors, M2I, regardez bien, là, je peux mettre M2I égale quoi? Égale la fonction. La fonction me retourne un pointeur et M2I, c'est un pointeur. Donc, M2I égale extrait de, ou bien extrait, la première fonction, extrait, d'accord? Donc, M2I égale extrait. Donc, extrait ou bien extrait 2. Et quels sont les paramètres d'entrée? Quels sont les paramètres d'entrée? C'est toujours le mot, d'accord? Le mot. Et pour le i et n, donc pour i et n, vous pouvez les mettre comme étant des variables. Donc, pour chaque mot, vous demandez le i et le n, comme vous pouvez les fixer. Donc, l'objectif, ce n'est pas de lire deux entiers, d'accord? Donc, l'objectif, c'est de faire appel à la fonction extrait, d'accord? Donc, le 2, c'est le i. Donc, je vais mettre juste ici comme commentaire i égale 2, indice. Indice i égale 2 et n égale 5, comme dans l'exercice ou bien n égale 6. D'accord? Donc là, il faudrait, là aussi, si vous voulez rajouter du détail, il faudrait s'assurer que l'indice ne dépasse pas la taille et aussi le nombre de caractères ne dépasse pas strlen de chaque mot. D'accord? Donc si vous voulez détailler l'exercice, vous pouvez rajouter tous ces contrôles. D'accord? Ensuite, après, une fois que j'ai fait appel à la fonction extrait, donc elle va modifier chaque ligne. Et là, je vais afficher la matrice après. Alors, affichage. Affichage de la matrice. Après, appel de la fonction extrait. Je l'affiche tout simplement à la for i allant de 0 toujours, i inférieur à m, et plus plus, put m de i, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, je vais exécuter.
Donc, donnez le nombre de mots. On va donner combien de mots? 4, par exemple. Saisir un mot. Deuxième mot. Troisième mot, informatique. Algorithmique. Et là, affichage de la matrice après appel de la fonction extrait. Donc là, elle a affiché les mots extraits après appel de la fonction. Donc, i égale 2. Alors, pour le premier mot, A1. Donc, là, l'indice égale à 2. Donc, 1, 2. Donc, elle va afficher A-A-A-S. Et 5 caractères. Donc, elle a affiché exactement 5 caractères. Et puis, le deuxième mot, alors, elle a affiché 4 caractères suivis de l'espace. Donc, 5 caractères en comptant l'espace. Et l'autre format. Donc, premier caractère, deuxième caractère. Donc, format, elle a affiché 5 caractères. Et l'autre gorille, de 5 caractères. D'accord? Donc, tout simplement. Et maintenant, est-ce que c'est clair? Je peux avancer? D'accord. Ensuite, alors, l'exercice suivant. Donc, l'exercice 8, il s'agit des méthodes de tri. Je ne sais pas ce que vous avez fait, les méthodes de tri en cours. Oui ou non? Sélection, bulle, insertion, fusion. Est-ce que vous avez fait le cours sur les méthodes de tri? L'année passée, madame. L'année passée? Et cette année, vous n'avez pas fait un chapitre sur la complexité des algorithmes? On vient à peine de l'entamer, madame. Ah, de l'entamer, complexité? Oui. D'accord. Khalas, donc, alors, je vais faire le neuvième exercice, ben, je reviens vers l'exercice 8, d'accord. Je ne sais pas, je sais pas si vous avez une idée sur ces différentes méthodes, sinon, dire une seule méthode ou la deux. D'accord. On verra. Donc, alors, je passe à l'exercice 9 directement. On fait l'exercice 9, il est plus simple, d'accord. Donc, pour l'exercice 9, on considère un vecteur T d'entier de taille n inférieure ou égale à 50, écrire une fonction minimum qui détermine le minimum dans le vecteur. Donc là, c'est très simple, d'accord? Donc on a, c'est une méthode qui va nous retourner le minimum dans un vecteur, dans un tableau. Alors, je vais commencer à écrire la fonction. C'est un tableau d'entier, donc le minimum est un entier. Série 2, exo 9, finish, voilà. Donc là, je vais écrire la fonction minimum, d'accord? Minimum dans un tableau. Alors, c'est un tableau d'entier, donc la fonction doit retourner un minimum, un entier plutôt. Donc, int minimum. Int minimum. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre d'entrée, la fonction? Elle prend le tableau. Voilà. Le tableau plus la taille. La taille du tableau. D'accord? Ensuite, alors, là, je vais déclarer la variable dans laquelle je sauvegarde le résultat pour le faire retourner à la fin, donc minim, donc minimum, et je déclare un indice aussi pour parcourir le tableau. À quelle valeur je peux initialiser la variable minim? T de 0. Ah, T de 0, très bien. Minim reçoit T de 0. Ensuite, je parcours mon tableau, alors for, i à partir de 1, pour ne pas
recomparer avec les deux zéros. Donc, i inférieur à n et i plus plus. Donc, alors, je vérifie if minime est supérieur à t de i. Là, si le minimum est supérieur à t de i, je modifie la valeur de la variable minime. Donc, minime reçoit t de i. Sinon, je ne fais rien. Sinon, je ne fais rien. À la fin, return minime. Je retourne le minimum dans le tableau. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une fonction très simple. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. D'accord. Ensuite, je passe à la deuxième partie de l'exercice. Alors, pour la deuxième partie, soit une matrice de nombres entiers à nm, n inférieur ou égal à 50, m inférieur ou égal à 100, en utilisant la fonction précédente, écrire un programme qui calcule le vecteur min comportant les valeurs minimales des lignes de la matrice. Donc là, on doit déclarer une matrice. Là, on ne va pas utiliser malloc, parce qu'on nous a dit que la taille maximale, le nombre de lignes maximum c'est 50, le nombre de colonnes maximum c'est 100. Donc, on fait en sorte de lire n et m, il faut que le n soit inférieur ou égal à 50 et m inférieur ou égal à 100. D'accord? Ensuite, on va remplir notre matrice. Après, on va faire appel à la fonction minimum pour calculer le vecteur min. Donc, on doit déclarer un vecteur aussi qui s'appelle min. Et là, dans ce cas, la taille de min, c'est bien le nombre de lignes de la matrice, c'est n. D'accord? Donc, alors, je vais commencer à le travailler. Je vais supprimer tout ça. Alors, je vais déclarer la matrice int a. De nombre de lignes maximum, c'est 50. Le nombre de colonnes maximum, c'est 100. D'accord? Je déclare aussi le tableau min, tableau min. La taille maximum de ce tableau, maximale de ce tableau, c'est bien le nombre de lignes de la matrice qui est 50 aussi. D'accord? J'aurai besoin aussi des indices pour parcourir la matrice. Donc, j'ai besoin de n, le nombre de lignes, m, le nombre de colonnes, et i et j pour parcourir la matrice. D'accord? Donc là, si vous voulez qu'on détaille l'exercice ou bien on répond aux exigences de l'exercice, donc on peut faire la lecture de n et m à l'intérieur d'une boucle do while pour s'assurer que l'utilisateur ne saisit pas un nombre de lignes qui dépasse 50 ou bien un nombre négatif. D'accord? Donc là, on peut le rajouter. On va le faire pour les lignes et pour les colonnes, on va le laisser tel qu'elle est. D'accord? Alors, do printf bien puts, comme vous voulez, donner, pardon, donc donner le nombre de lignes n inférieur ou égal à 50 anti slash n. Donc là, alors scanf pour sonder virgule anti slash plutôt et commercial n. Slash n. Quelle est la condition d'arrêt? Donc while, tant que, alors while n inférieur à 0 ou quoi? Ou n
supérieur à 50. Il faut que le n soit entre 0 et 50, d'accord? Donc, si n est supérieur à 50, je n'accepte pas la valeur. Si n est négatif, je n'accepte pas également la valeur, d'accord? Donc, on peut faire la même chose pour le m, d'accord? Pour m, qu'est-ce que vous voulez? On le fait avec test ou pas la peine? Sinon, on peut le faire. Je vais copier ça. Donner le nombre de colonnes. M qui doit être inférieur ou égal à 100. Donc là, est commercial M. Il faut que le M. soit positif et M, c'est l'est supérieur à 100 aussi, on ne va pas l'accepter. Donc, une fois que j'ai N et M, dans ce cas, je vais passer au remplissage de ma matrice. D'accord? Alors, put remplissage de la matrice. Ensuite, pour remplir la matrice, alors for i, j'ai besoin des deux indices, i allant de 0, i inférieur à n, et plus, je passe aux colonnes, for j allant de 0, j inférieur à m, j plus, donc là, je rajoute, alors printf, donner l'élément, on va demander à l'utilisateur de donner. Alors, printf, donner l'élément a de %d 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 slash n, virgule i, virgule j, d'accord? Ensuite, je vais lire un f pour son d et là, je peux utiliser et commercial a de i, j, ou bien, sans le i commercial, a de i, entre crochets le i, plus j. D'accord? Comme ça. A de i, a de i, plus j. Voilà. Après, donc une fois que j'ai rempli la matrice, je vais l'afficher. Affichage de la matrice. Donc, put, affichage de la matrice. Pour l'affichage, toujours la double boucle aussi, for i allant de 0, i inférieur à n, et plus, for j. Alors, je vais afficher chaque ligne dans une ligne. D'accord? C'est pour ça que je rajoute les accolades, for. Une fois que je termine d'afficher toutes les colonnes de la ligne, je fais un saut de ligne. D'accord? Donc, for j allant de 0, j inférieur à m, j plus, printf, %d, %t slash. Ou bien vous pouvez rajouter des chiffres avant le %d pour dire que j'affiche après 4 caractères, 4 espaces. D'accord? Donc là, anti slash t, j'affiche a de i. À chaque fois, il m'affiche ça. J. Voilà. Ensuite, je fais un saut de ligne. Printf, anti slash n.
Donc là, l'accolade contient deux instructions. C'est deux accolades. La première boucle for, elle contient cette boucle for et cette instruction printf. Donc elle contient deux instructions. C'est pour ça que j'ai rajouté les deux accolades. Par contre, pour la boucle for j avant de 0, elle contient uniquement l'instruction printf pour son D en D slash T A de I J. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de rajouter les accolades. D'accord? Donc après, je dois faire appel à la fonction minimum pour récupérer pour créer le vecteur timin. D'accord? Donc for I. Alors, for I allant de 0, I inférieur à N. Et plus, je vais commencer à remplir Timin. Donc, Timin, je l'ai déjà déclaré comme étant un tableau de 50, maximum 50 lignes. Alors, T de I reçoit quoi? Minimum, la fonction minimum. Je l'ai appelé minimum. Oui, minimum. Minimum. Elle prend en considération... la fonction minimum prend en considération la ligne de la matrice I, d'accord? Donc A de I, comme premier paramètre, c'est le vecteur. Et quelle est la taille de cette ligne? M. M, très bien. Donc M. D'accord? Une fois que j'ai rempli le tableau, je vais l'afficher. Alors, put, affichage du tableau Timin. Donc, de même, for i allant de 0, i inférieur à n et plus. Là, printf directement, printf pour son d. En T slash T. Ça s'appelle comment? Timin. Timin. D'accord. Donc là, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré la matrice. J'ai lu le nombre de lignes, le nombre de colonnes avec les conditions. D'accord, j'ai rempli la matrice. Une fois que j'ai rempli la matrice, donc j'ai affiché la matrice. Ensuite, j'ai rempli le tableau Timin en faisant appel, en appelant la fonction minimum qui détermine le minimum de chaque ligne. Donc chaque ligne, c'est un vecteur de m colonnes. D'accord. Et là, après appel de la fonction minimum, j'affiche le tableau. Je demande d'afficher le tableau Timin. D'accord? Donc, je vais compiler. Alors là, c'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qu'il dit? Infection error, Timin undeclared. Comment je l'ai déclaré? Ah, je n'ai pas déclaré Timin. Je pense que si. Ah, min M majuscule. Donc, je l'ai déclaré avec M majuscule. Donc, là aussi, je change en M majuscule. D'accord? Je recompile. Et là, il n'y a pas d'erreur. Donc, j'exécute. Donner le nombre de lignes. Par exemple, on va donner moins 3. Donc, il va me redemander de donner le nombre de lignes. Toujours. Alors, on va dire 4 lignes. Le nombre de colonnes, on va dire 6, par exemple. Ah, c'est trop. Remplissage de la matrice. Alors, on va dire pour la première ligne, moins 3, hein, par exemple. 0. 1. 5. Moins 7. Et puis le dernier élément, 9, par exemple. C'est trop, hein? J'aurais pas dû donner 4 lignes. C'est pas grave. Donc, je vais donner n'importe quelle valeur. Mm-hmm.
par exemple, moins 9. Ensuite, 1, 3, 0. Et puis la troisième, la dernière ligne, 2, 6, 9, 1, 7, 9, par exemple. Donc, voici la matrice. Alors, la matrice, c'est moins 3, 0, 1, 5, moins 7, 9. 2, 4, 0, 1, moins 7, moins 9. La deuxième ligne. La troisième ligne, 1, 3, 0, 4, 6, 8. Ensuite, la dernière ligne, 2, 6, 9, 1, 6, 9. Et là, affichage du tableau témine. Alors, le minimum de la première ligne, c'est bien moins 7. Le minimum de la deuxième ligne, c'est moins 9. Le minimum de la troisième ligne, c'est le 0. Le minimum de la quatrième ligne, c'est bien le 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Et est-ce que vous avez des questions? Oui. Très bien. Donc, on va finir bientôt la série. Alors, pour l'exercice qui reste, pour les exercices supplémentaires, donc essayez de les traiter vous-même. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez me contacter. D'accord? Comparaison. Surtout les exercices qui concernent les chaînes de caractères. D'accord? Donc, par exemple, l'exercice 10, écrire un programme qui détermine si l'un est miroir de l'autre. Donc, on a deux mots. On cherche à vérifier. Donc là, la première des choses à voir, c'est la taille des deux mots. Si les deux mots ont la même taille, donc je vérifie si M1 est miroir de M2. Sinon, je peux déduire qu'il ne sera pas miroir parce que, premièrement, ils n'ont pas la même taille. D'accord? Et puis, pour le deuxième cas, la deuxième partie de l'exercice, donc on vous demande d'écrire un programme qui les compare et les affiche selon l'ordre alphabétique. Donc là, vous pouvez utiliser la fonction strcomp, tout simplement. D'accord? Et là, donc le compactage d'un tableau contenant des valeurs nulles. Compactage, ça veut dire je décale pour éliminer les valeurs nulles. D'accord? Donc si je trouve un élément égal à 0, je décale les cases. D'accord? Avec un programme qui effectue le compactage de T, toutes les valeurs nulles seront mises à la fin du tableau. Bien sûr, on fait une permutation. D'accord? Et puis là, pour l'exercice 12. Écrire un programme qui compte le nombre de séquences dans cette chaîne, donc une chaîne de caractères de longueur inférieure à la 80. Ça veut dire quoi une séquence? Donc une séquence est constituée de un ou de plusieurs caractères consécutifs ne comportant pas le caractère espace. Donc là, je lis jusqu'à ce que je rencontre un espace. Et là, je dis qu'il y a une séquence. Ensuite, là aussi, je lis jusqu'à ce que je rencontre, donc pour tout le tableau de la chaîne, donc je lis jusqu'à ce que je rencontre l'espace. À chaque fois que je rencontre un espace, j'incrémente le nombre de séquences. D'accord? Donc maintenant, je vais revenir ici vers l'exercice 8. D'accord? Donc là, d'habitude, oui. Madame, à propos du projet, qu'est-ce que vous dites? Parce que quand je raconte, on le développe. Justement, pour le projet, Anna, j'hésite. Je suis entre vous donner le projet et vous faire un test. Faire un test dans les conditions qu'on a, c'est risqué. D'accord? Et en même temps, vous donner un projet, vous pouvez apprendre le langage en faisant le projet. D'accord? Vous pouvez l'apprendre mieux. Maintenant, Anima chargée de cours, normalement, elle va vous donner un simple projet, d'accord, qui ne va pas prendre beaucoup de temps. On verra. D'accord, normalement, les prochains jours, Inch'Allah, elle va vous l'envoyer, votre chargée de cours. Normalement. Oui, c'est sûr que ça va être avant les examens, mais le problème de cas, vous avez une semaine pour les examens. On bête juste après les examens, je crois qu'il y a les délibérations ou les vacances. Je ne me rappelle plus du plan du semestre.
Donc, je ne me rappelle pas si les délibérations, c'est juste après les vacances ou là, juste après les examens. Si c'est juste après les examens, soit on vous donne des exercices, soi-disant un projet, soit. D'accord, parce qu'il ne reste pas beaucoup. D'ailleurs, il vous reste un mois à peu près avant les examens. D'accord, donc on va vous le donner sûrement avant les examens. La remise, la date de remise, là, elle accepte le plan du semestre. D'accord. Je reviens vers l'exercice 8. Permettez-moi de prendre un verre d'eau et je reviens. D'accord. Exercice 8, on vous demande de programmer une méthode de tri, soit sélection, soit B, soit insertion, d'un vecteur d'entier de taille N inférieur ou égal à 10. Affichez les résultats intermédiaires, l'état du tableau, à chaque itération. Donc, on va commencer par le tri par sélection. Le principe du tri par sélection consiste à... Donc, le tri par sélection consiste à chercher à chaque fois le minimum et le placer dans le bon endroit. D'accord? Donc, à chaque fois, je cherche le minimum. Et puis, bien sûr, je l'échange avec l'élément que je trouve. Donc, je prends le premier élément, je le compare avec l'élément suivant. Il est inférieur, plutôt s'il est supérieur à l'élément suivant, je fais l'échange, ainsi de suite. D'accord. Donc, on verra. Alors, je vais commencer à le programmer, trait par sélection. Donc, je vais créer un nouveau projet. Comme ça, quand je vous partage les fichiers, vous saurez quel exercice. Ça ne vous dérange pas qu'on fasse une séance de 2 heures. Enfin, même pas 2 heures. Donc, je termine juste peut-être comme une seule méthode de trait ou la deux méthodes et... Et je vous libère. D'accord. Donc, là, je vais appeler l'exercice série. Série 2. Exo 8. Alors. Donc là, alors, je vais commencer par... par sélection. Alors, pour faire le trait par sélection, donc, là, on nous a demandé un tableau de taille inférieure ou égale à 10. Donc, on va... La taille ne m'intéresse pas, d'accord? Alors, directement, je déclare un tableau T de 10 maximum. D'accord. On peut même l'initialiser si vous voulez. Au lieu de perdre le temps à lire, à remplir le tableau, on peut l'initialiser directement là. Donc, je vais prendre quelques valeurs, n'importe quelle valeur. 4 par exemple, moins 1, par exemple 8, 10, moins 4, 20. Quoi d'autre? Et combien? J'ai saisi combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 par exemple. 26 ou 25. 24 par exemple. Et 40. 40. Dixième valeur. D'accord? Donc, voici mon tableau. Donc, au lieu de saisir, de remplir le tableau, donc là, je l'initialise. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la méthode de tri en elle-même, d'accord? Donc, j'ai besoin d'un indice I et d'un deuxième indice parce que je vais chercher le minimum à chaque fois. Donc, j'aurai besoin de 2 indices. Pour faire l'échange aussi entre les valeurs, là, j'ai besoin d'une variable TMP temporaire, d'accord? Et aussi, je dois sauvegarder... l'index de l'élément à échanger. Donc, je vais l'appeler index ou indice, comme vous voulez. Alors, indice. D'accord? Indice pour sauvegarder la position du minimum ou bien que je vais échanger. D'accord? Donc, là, put
Fi par sélection du tableau T. Et juste pour voir comment va se faire le tri. D'accord? Donc là, avant de trier le tableau, je vais l'afficher d'abord. D'accord? Alors, for, donc put, affichage du tableau avant le tri. D'accord? Pour voir le résultat après le tri. Alors, for i allant de 0, i inférieur à 10, i plus plus, printf, alors pourcent d, t slash t, là, t de i. T de i. Ensuite, maintenant, je vais passer au tri du tableau en utilisant la méthode par sélection qui permet de chercher à chaque fois le minimum. Là, je vais commencer for i allant de 0, i inférieur à combien? Là, je ne vais pas atteindre le dernier élément, d'accord? Donc, je dois m'arrêter à l'élément n. Moins 2, d'accord. Et donc là, je dois m'arrêter à 9, puisque j'ai 10 éléments. Donc, je dois m'arrêter ici, à 24. Parce que je vais, pour chaque élément, je parcours le reste des éléments du tableau, d'accord. Donc, pour l'élément 4, je parcours à partir de moins 1 jusqu'à 40. Donc, pour le dernier élément 24, je parcours juste avec 40. Donc, je ne dois pas atteindre 40, sinon je vais dépasser les cases autorisées ou bien les cases maximales de mon tableau. Pourquoi? Parce que le deuxième indice va commencer à partir de i plus 1. D'accord? Donc, i plus plus. Ensuite, pour le deuxième indice, là, avant de passer au deuxième indice, alors, je vais sauvegarder, je vais initialiser indice à i. D'accord? Pour faire l'échange si je trouve le minimum, d'accord? Donc, pour chaque élément, je vais chercher le minimum dans tout le reste des éléments, d'accord? Avant de faire l'échange, bien sûr, il faut s'assurer qu'il s'agit du minimum, d'accord? Il s'agit du minimum, ensuite, je permute entre les deux cases, d'accord? Donc, cette méthode, elle est simple. D'accord, elle ne nécessite pas beaucoup de matériel, donc elle nécessite uniquement un temps de calcul. Pourquoi? Parce que pour chaque élément, je dois chercher le minimum à partir des restes des éléments. Donc je sauvegarde i dans indice. Ensuite, je parcours le reste des éléments, donc pour j allant de i plus 1. Cette fois-ci, J doit être inférieur à 10 pour parcourir tous les restes des éléments. Ensuite, j'ai plus plus. Qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie if. Alors, if t de quoi? If t de indice. De indice dit E. C'est le I là, d'accord? If t de indice, c'est le premier élément, est supérieur à t de j, qu'est-ce que je fais? Je change mon indice. L'indice égale à j. Vous allez voir pourquoi. C'est pour me permettre de faire l'échange avec la case j. D'accord. Donc, je prends par exemple l'élément 4. Je cherche le minimum dans toutes ces cases. Il faut que j'arrive à avoir le nombre minimal par rapport à ce 4. D'accord. Donc, une fois que je sors de la boucle, cette boucle-là, for j, ça veut dire je sors soit avec
indice égal à i ou bien indice différent de i. Si je sors avec indice égal à i, je ne fais pas le changement. Ça veut dire que l'élément qui se trouve à la position i, il est minimum par rapport au reste des éléments. Sinon, ça veut dire que je sors avec... Alors, donc là, je vérifie if indice est différent de i. Dans ce cas, je fais la permutation. Donc, je permute entre les deux cases. Donc, je vais utiliser la case temporaire, reçoit alors t de i. TMP reçoit t de i. Alors, t de i reçoit t de indice. D'accord? Ensuite, t de indice reçoit TMP. D'accord? Maintenant, pour pouvoir afficher les résultats intermédiaires, avant, il faut que je le fasse avant que je sorte de cette boucle. D'accord? Donc, avant que je sorte de la boucle for i allant de 0, i inférieur à 9 et plus plus, donc juste après cette condition, j'affiche les valeurs après l'itération i. D'accord? Donc là, printf, je vais essayer d'afficher les résultats intermédiaires. Affichage du tableau à l'itération %d. Donc, slash n. À l'itération %d, c'est à l'itération i. Et là, est-ce que je peux utiliser le j? Bien sûr. Là, je peux utiliser le j puisque j'en ai terminé au niveau de cette boucle. Donc, je peux réutiliser le j. Alors, for j allant de 0, j inférieur à 10, j plus plus, qu'est-ce que je fais? Printf %d en t slash t t de i. D'accord? Et là, à la fin, quand je sors de la boucle i, ça veut dire que j'ai terminé le tri de mon tableau. Donc là, je vais afficher put affichage du tableau après le tri. Et là, tout simplement, je vais utiliser la même boucle, bien soit avec un i, soit avec un j, c'est comme vous voulez. Là, je vais changer à i pour vous dire que c'est bon, j'ai terminé avec le i et donc je peux le réutiliser. Donc là, excusez-moi, c'est t de j. Voilà. Donc là, je vais compiler et exécuter. Alors. Donc là, affichage du tableau avant le tri. Donc, regardez bien les valeurs. Les valeurs de mon tableau avant le tri. Ensuite, tri par sélection du tableau T, affichage du tableau à l'itération 0. Donc là, j'ai cherché le minimum par rapport à 4, j'ai trouvé moins 4. Donc j'échange moins 4 avec 4. D'accord? Donc quand vous voyez bien, à la première itération, j'ai permuté moins 4 avec 4. Ensuite, pour la deuxième case, c'est moins 1. Par rapport aux autres cas, je ne fais aucune permutation parce que moins 1 est le minimum. Ensuite, par rapport à 1, regardez bien. Là, par rapport à la case 8, le minimum, c'est le 1 à partir de 8. Donc, je permute entre 1 et 8. Vous voyez, le 1 après la place de 8 et le 8 après la place de 1. Ensuite, à la troisième itération, donc à partir de 10, je cherche le minimum.
Le minimum à partir de 10, c'est bien le 4. Donc, je permets entre 10 et 4. D'accord? Ensuite, à la prochaine itération, je passe à l'élément 10. Donc, le minimum à partir de 10, c'est 8. Donc, je permets entre 10 et 8. Donc, le 8 va prendre la place de 10 et le 10 va prendre la place du 8. Ensuite, à partir de 20, je cherche le minimum. Donc, c'est le 10. Je permets entre 20 et 10. Ensuite, à partir de 20, je cherche le minimum. C'est lui-même. D'accord? Donc, je ne fais rien. Ensuite, à partir de 24, à partir de 25, donc, je trouve le minimum 24, je permets avec 25. Ensuite, à partir de 25, je ne fais rien parce que 25 est inférieur à 40. Et à la fin, j'affiche le tableau trié. C'est moins 4, moins 1, 1, 4, 8, 10, 20, 24, 25, 40. D'accord? Donc là, le tri par sélection. Donc, à chaque fois, permet pour chaque élément de trouver le minimum dans le tableau et le permuter avec la case courante. D'accord? Donc, pour chaque élément courant, je cherche le minimum dans le reste des éléments et quand je le trouve, je le permute avec la case en cours. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'aurai terminé tous les éléments de mon tableau. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Je vois que beaucoup d'étudiants se sont déconnectés. Alors, je vous laisse le soin de continuer avec le trait à bulle et le trait par insertion. Donc, pour le trait à bulle, donc, le principe du trait à bulle, c'est de faire descendre les valeurs les plus petites. Elle se déplace progressivement vers le haut du tableau et les plus grandes valeurs descendent vers le bas du tableau. Donc, la complexité de ces deux méthodes, elle est de l'ordre de n au carré. Donc, c'est des méthodes qui consomment un temps d'exécution. D'accord? J'ai oublié de voir le temps consommé pour faire le tri de ce tableau par sélection. Donc, pour le tri à bulles, je rappelle que donc là, il faut les valeurs petites se déplacent progressivement. Donc là, pour le trait à bulle, je compare case par case, d'accord? Et je permute la première case avec la deuxième case. Si je trouve la première valeur inférieure, je permute. Ensuite, la première case avec la deuxième case avec la troisième, ainsi de suite. Donc à chaque itération, je permute case par case. D'accord, donc il va y avoir beaucoup, beaucoup d'itérations. Donc la complexité, elle est de l'ordre de n au carré. Donc c'est énorme. Imaginez qu'on a n des milliers. D'accord, dans ce cas, madame, ça va consommer en temps de calcul. Oui. Dans la complexité, les fonctions, on est déjà chez les bibliothèques. Ah. Et les prend n ou bien 1. Comme n ou 1. Je n'ai pas compris la question. Les fonctions de la bibliothèque. Oui. Donc, la complexité, comment on calcule la complexité? La complexité, on la calcule au nombre d'instructions. Là, par exemple, pour chercher le minimum par rapport à la case courante, la première case, je parcours n-1 case. Ensuite, pour deuxième élément, je parcours n-2 éléments, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive au dernier élément. Donc, en tout, je vais faire n fois n-1. Et donc, ça va me donner n au carré plus, je sais pas, quelques instructions, d'accord? Mais on va prendre la valeur maximale qui est dans l'ordre de n au carré. C'est comme ça qu'on calcule. Donc, je ne calcule pas instruction par instruction. Je calcule réellement le nombre d'itérations, d'accord? Combien de fois? D'accord? D'accord, madame. Alors là, j'ai une deuxième séance à 10 heures. Donc, avec ça, on termine la série numéro 2. Donc, s'il vous plaît, préparez la série numéro 3. Est-ce que je vous ai envoyé la série 3 normalement? Je ne me rappelle pas. Oui, madame. Donc, essayez de la préparer. J'aimerais bien que quelqu'un nous partage son écran la prochaine fois pour voir comment vous faites. D'accord.
Donc là, j'aurais aimé vous rajouter. J'aurais aimé vous rajouter le trait à bulle, au moins le trait à bulle. Maintenant, si vous voulez, je peux vous le programmer, vous l'envoyer avec l'exercice. Peut-être que je le rajouterai. D'accord? Et je le partage avec vous. Sinon, l'essentiel, je ne sais pas si vous allez les faire en cours quand vous allez faire la complexité. Le chapitre sur la complexité. D'accord? Donc, Missina, alors je vous souhaite bon courage. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah.